Bonjour, je suis Alex Boulon, je suis maire adjoint délégué à la transition écologique et aux mobilités. Pour la ville de Villemomble, la transition écologique est un objectif majeur. Nous devons réduire l'empreinte carbone et favoriser la biodiversité. L'un des premiers enjeux qui s'offre à nous, c'est la question des mobilités. Donc nous allons développer des bornes de recharge pour voitures électriques sur deux sites sur la ville de Villemomble. Premier site, marché de l'époque. Deuxième site, la gare du Rincy-Villemomble. Ces bornes électriques sont 100% françaises et elles ne coûtent absolument rien à la commune. Elles sont réutilisables avec une simple carte bancaire, avec son téléphone, un simple smartphone, il y aura une application et on pourra gérer absolument tout ce qu'on veut, la vitesse, la durée, le temps de charge, etc. Il s'agit également d'améliorer la sécurité des cyclistes. C'est un sujet qui est actuellement à l'étude. Donc on pourra imaginer du double sens cyclable, peut-être des rues à 30 km/h, peut-être du vélo-rue, peut-être des pistes cyclables ou des bandes cyclables. Tout cela se fera évidemment en concertation avec les habitants, puisque nous avons mis en place des conseils de quartier. Nous avons évoqué la biodiversité, nous allons donc installer des ruches au printemps 2022 sur un terrain qui jouxte le parc de la Garenne. On va commencer par 4 ruches et il s'agira de l'abeille noire. C'est une abeille qui est en voie de disparition et c'est aussi un geste que nous faisons en ce sens. Actuellement, le prix d'énergie connaît une inflation galopante. La municipalité de Villemomble a donc décidé de s'associer avec la société Wikipower pour proposer un achat groupé d'énergie. Qui dit énergie dit gaz, électricité. Le but, c'est de rassembler le plus grand nombre de ménages afin de négocier des tarifs au plus bas. Toutes les informations se trouvent sur le site de la mairie de Villemomble, sur le Facebook de la mairie de Villemomble. Je crois que c'est le moment, il faut y aller. Voilà le bilan pour cette première année. Il y a encore de nombreux sujets en préparation. Je suis sûr que nous aurons l'occasion de nous retrouver et d'échanger sur ces sujets ô combien importants.